tujuane, nataka tupendane, nataka tujuane, nataka tupendane. Olingwezelo kwa motu ya, na bonzelio motema nanga. Tendresse, affection, attention plein d'amour. Bolingo, hey, yeah. Bolingo, hey, yeah. Tango zolingo koyebate. Yoko zanga contrôle. Nzoto na mobimba. Voilà, donc nous sommes à Bruxelles, en dehors de Bruxelles, c'est un studio Dada, où tu as artiste et musicien junior Fataki que nous recevons donc dans cette émission. Dernier virage, votre émission sur le site 3FW pour les amis de Wichi. RDC.com, Junior Fataki, je crois que Boulanaki, je crois que l'émission de cela, qui il y a de cela quelques temps, il était vraiment en studio pour préparer son album Enigme. Finalement, l'album Ebimi, l'album est déjà sur le marché de disques, l'album de 10 titres. Nous allons en tout cas essayer de parcourir cet album donc, dans cette émission. Tout sur l'artiste, artiste et musicien, Bouzaroumouna Yobinomogo, Azuyimba, Abita Guidar, Abita Ragnoso, Asala Ragnoso. C'est un artiste complet. Donc, tout le monde a reçu dans cette émission d'Abisso. Yalelo, donc voilà, Mbote d'abord, Junior Fataki. Mbote, papa, Limia. Finalement, tout ça, on a un abat, qui est déjà un Zimbo, Betty. Dans mon inagat album, je crois que ce peut-être tout le monde a un album. Mm-hmm. Les albums, il y a 10 titres, au sein du featuring de l'artiste Ebele. Également, tout le monde a un album. On peut revisiter, bah, c'est un succès également. On rend un peu hommage à l'artiste Obakena. Tout le monde a un album sur la bise de l'eau. Mais quand même, avant, tout le monde a un album. Toujours un peu moins que la carrière n'a pas pour peut-être découvrir peut-être des lots, on se paye bien déjà. Moi, mouké, mon parcours dans le musical, on va peut-être tout parler sur l'album. Oui, merci d'abord pour l'opportunité au Pessinga, dans les Kalelo, dans l'émission, pour nous passer le message et l'album dans Ngayasika. Et na saluer Bande Konyo Sobola Nabiso, Nandaku, Libanda. Voilà. Junior Fataki. Tabou Fataki, il y a un peu de combat Tabou Fataki Junior. Parce que Junior, il faut dire aussi que c'est Junior, il y a Fataki en salle de la musique. Junior, on est en salle de la musique. Parce qu'il faut signer. Fabien Fataki. Tout à fait. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la musique congolaise, se souviendront certainement des frères Fataki. Moko, Lilo, Akundama, à Bengaya Salilaye, Akoma, José Fataki, et Akoma, frère, Azaki. Chef d'orchestre à Viva la Musique pendant une décennie. Et puis après, bah, il y a aussi la nouvelle génération avec Balouciana, tout ça. Et puis Lelo, il y a aussi Antela Naye. Et puis frère Naye Moussousou, Nzambe Abengaye, Aza Sonamokilité, Bernard Makwaye, Azakipe, Nali Banco. Et puis après, Aliki, na quartier latin, na Bandeli, puis na quartier latin, Bandeli, il y a Kala Kala. Voilà. Et puis après, Asukaki, na général des FAO, on a Pessimbote, na Musika, on a Pessimbote, na Kenya. Et. Voilà, nga na outina famille voilà. Donc musique eza ya makila ya famille et puis pour na betali cela parcours nga mbangu et comme ban ekonyo so ya quartier ba jeune na quartier na bandai ko beta guitare na ba groupe ya quartier naza natif ya bandal na koli na bandal et puis na koli pe na lingwala et puis limité on va dire donc na bandai na ba groupe amike mike ya quartier et ba groupe ebele na kimo nzondinga na olinga koyi ba mingi na lekaleka na ba groupe ebele. Donc autant arrive retrouve la musique déjà dans un premier temps et puis na qui na orchestre sous Riva Santa na les cana promise musique na bande konanga de fin Al Pacino na Batusha Fulakanda Baogi de que Billy ba ping pong batteur na robot ça va dire na bossé na Kombo Limbisanga ba Pepe ba Issa et tout et puis après ba Pati Pajero bassiste ya quartier latin à l'époque quoi et puis na Eko Longwana bon na Naiko tanga na tenir la Gombe na école déjà pétoyé orchestre na biso et école comme on zaki los illégaux orchestre scolaire illégaux et dans lequel il y a eu bah artiste Obabima na mboko na biso le comme Willy Boula bah Mimi Amba Mimi Ciel bah Martine Kumbo aux États-Unis bah Papintoya et artiste Moibélé bah monsieur dans robot ça na bakumba Malik bah Papi Jadi Alan Jadi et tout Toyi Moibélé et bah Titinal Capone à l'Ekapewana
Donc voilà, et puis après, de là, na yo kota na groupe Moka Munini ya Congo, Batbayebi, Wenge Musique à l'époque, ils étaient encore ensemble, 4x4, BCBG. Et Zaki na ba année 87, 88, comme ça, j'étais encore à l'école. Et puis bon, malheureusement, je n'avais pas fait long feu na kata groupe parce que na yo en école, ba parents, ba sepe la yité, ba lingagité, na continué la musique, ba rentré dans son kata musique, classe pour la musique. Na yo zongi la groupe un peu plus tard, dans 92, 93 par là. Et après, ensemble avec le groupe, on a participé à la réalisation de l'album. Il y a Koulou Tounabunga, Azaki présent à l'époque, JBM Piana, que je salue en passant. On a Azaki parmi Bato, Baye qui a déchiffré l'album. Voilà. Et puis, c'est de l'amour, il faut quand même tout ça tout le temps. Bon, Batbaye Bibi, il y a un combat de Mbolo. Donc, on a travaillé là. Voilà. Et puis de là, on a eu Kindi en Afrique de l'Est, en Kenya, et on a eu un groupe Moko, il y a un Congolais. En fait, contrairement au Japon, tous les 6 mois, il y avait une boîte japonaise qui présentait la culture africaine et la musique africaine. Bon, particulièrement la musique congolaise, espèce à qui à l'honneur. Il y avait aussi une musique kenyane et tout. Alors, on a eu la chance au Kenya, vu Nanga Kanema, Azana Japon, Azana Kenya, la Pessimbote. Donc, il y a un tout ça, la tournée, mon 6 mois. Et puis, j'avais vraiment aimé le coin. Et puis, dans mon acquis, culture, mon sous-sou, ma grand-mère avec moi différent, je me suis dit, ok, pourquoi pas y retourner et tracer carrière. Dans un groupe, dans Kenya, et puis moi personnellement, dans un Japon, et je suis resté, on va dire, presque une dizaine d'années. Et dans mon salon, dans la Nganga Moko, et là, dans un livre d'amour, et je crois, en 2002, si j'ai bonne mémoire. Dans lequel dans une chanson Rosana Bakulu tout dans le roi général des FAO Nagina bénédiction Luciana de Mingongo Kulu tout dans Gaï Nagina Blaise Boula Nagina Al Pacino Nagina Van de Como et Bélé Bélé pour ne citer que cela et Nassim Molo qui a toujours été là depuis le début qu'on soutenir Van de Konaye et après Naïk Obimisa après livre d'amour on a single Moko nous sommes tous des enfants on a commencé à l'égard il y a bande qu'on a bissou au balal rabali banda on a eu des chances il y a malin des konanga le patino on a coulu tunanga Jean Goubal qui je fais un grand coucou et na bébé Chanda et puis après na eko annoncé venu y a album nanga philosophie oh batebélé na bandi bah on se souvenir na bêta qu'à moi 9 minutes moro boy il y a temps fort na bandi la basse ben na wenge bah temps fort il y a groupe wenge musique juste pour nous rappeler bah tout couleur il y a orchestre wana et na valeur na grandeur il y a groupe wana oui ça là que bisopé lelo autour de moi direction parallèle makaba bien évidemment bien évidemment en tout cas parce que on peut pas ignorer ce grand homme de la musique congolaise oh il y a ça là que bah jeune ébélé na simana ébélé qui naie Tolanda, moi, l'inné n'avait pas ce qu'ils équipaient bien. Donc voilà. Et après, n'aie qu'au présenté album, un single langa, Moussousou, j'adore, où ils avaient tourné à 50% R&B et 50% Zouk Love, dans lequel il y a eu la participation de Tony Saad. Parce que bon, c'est vrai que l'artiste Fatah qui n'avait pas que la rumba et Seb à présenter à ce grand public amoureux de la bonne musique. Nanga il a présenté mon casquette nous sommes on découvre d'autres découvrir. Voilà, n'a quatre albums donc comme déjà j'adore pour l'annoncer venu il y a l'album Énigme et voilà enfin Énigme et Sili et on a eu représenté en Lelo. Voilà vraiment. Effectivement donc voilà parcours Junior Fatah qui Énigme a représenté Bichon Lelo mais d'abord Énigme Lelo Énigme pourquoi ce titre là parce que tout le monde peut la dire ah Énigme zate quelque part mais au titre à titre Énigme. En fait Énigme merci pour la question. Énigme Zali tout simplement Énigme la linga les a symbolé. C'est-à-dire comme nous entendons le bas tout à l'heure Nakina na casquette Moroka a été représenté. Nakina Bastille Bélé, tournera la maquila, tout ça n'arrive. Bon, pourquoi pas représenter musique congolaise, musique nanga, na facette moussousou. Alors, du coup, bateau Bélé, pèse à déjà étiquette, il y a rumba, ndombolo, mtabasse, ben, parce que je signale encore que nous guitariste professionnel. Koyemba, bon, na mika rumba, oyemba, mais naza, pèse guitare. Soyemba, va te découvrir l'album. Merci, naza, mika. Donc, voilà, bateau Bélé, pèse à casquette, il y a kobe, tara guitare. Alors, il fallait présenter. L'artiste na casquette Moussousou, c'est-à-dire Banzela Moussousou, quand il m'a dit en anglais, quand il m'a dit en japonais, et puis style Moussousou, pas bon. Parce que le Japon a aidé quand même mieux sur le plan artistique. Mingi quand même, parce que je me suis dit, à chaque fois qu'on a présenté musique, na bisokune balanza kando mbolona rumbate. Alors à chaque fois, j'essaie un peu de mélanger ma culture
Bastille, et maintenant ça, là, maintenant répondre très positivement. Je me suis dit, ah, ok, peut-être il y a un pays d'identité, pourquoi pas n'exploiter pe côté, voilà. Parce que bon, il faut dire, tous à la place sincère, na Congo, artiste pétri de talent, baza ébélé, ou baro beta room, baro beta baseben. Bah, le soubisson, j'aurais ça, et le romoko, diversité, wana, y a maïel et y a musique, et zalamo passif. Voilà pourquoi je me suis dit, ok, n'a mégano qui n'est là, oyo, oyo, peut-être n'a pas de chance à redécouvrir. Voilà pourquoi l'énigme, en fait, eza na énigme, mon akati, il faut que l'ouka. Allez, style moko oyo bien approprié au beau pèse un artiste au nganazali en écoutant. Alors, les styles là, pardon, en les écoutant. Les énigmes, donc énigme on est dans la carte. Voilà un peu pourquoi les titres. Pourquoi énigme? Énigme, donc album, il y a 10 titres comme la lobby. Ah ouais, donc bah, featuring, tout le monde vraiment, mais j'ai 30 également. La carte, il y a Caoutchou, tout le monde fit avec Tony Sand, Caoutchou Koloba. Ah ouais, Lucien a des Mungongo également, Vienayo, ouais, Kala, donc Oyembi. Et puis, donc, lobby, ah ouais, Al Pacino également, Batopso, Bayoki Al Pacino. Vive la musique, Al Pacino qui n'est plus là, donc à Tigabisso depuis un certain temps. Parce que le Bibo Yemba n'a déjà, mais le fait d'immortaliser dans cet album là, ça te fait quoi? Oui, tout simplement parce que c'est vrai que Papa Limia, on est d'accord, on a une facilité au bossa na bato, soyez ba koufi, to bossa na même na nzela ou ba sali. Moni Al Pacino, d'abord à la cause à la chanteur pour Nanga c'est un frère, ce fut un frère. Et ça a été difficile bien à mettre à l'histoire n'a passé parce que pour Nanga à la rakaka. Et avec qui garçon avec lui m'a tellement bien que moi j'ai trouvé ça quand même dommage que Bisso Bajon Totika Al Pacino kara akeneka boy. Voilà j'ai voulu causons que ça bat tout rappeler bat tout sous. Kitoko ya mungongo ya ndeko na nga wana na nzimo to salaka na ye. Et puis en passant je remercie Fali Poupa na geste salaki pour na ndeko na biso wana. C'est ça qu'on appelle l'amour parce que je me rappelle je me souviendrai toujours que à l'époque tozaza patino na banda wana Fali to wana ozala pe na ye ana ozala bien na ye alpazaki pe bien na ye Fali. Et cette marque de reconnaissance en tout cas et Zali il faut tout et ça vraiment louable et il faut tout le bel rapé moninga soit sali musala ya bien. Voilà pourquoi ngapé à ma manière n'engai ko sala et moi na rendre hommage et puis na sala un clin d'œil pour dire que tokori ubo ça n'a été parce que ça la pied quand même moi chemin na ya malom ya malamo. Voilà ça c'est bien. Alors mais par rapport peut-être ba featuring toki pe guitare choix à travers album un chant ya papa taboulé il a fait taboulé qui toko pour moi du mon gros commandé moi qui toko et puis mais j'ai 30 puis partie surtout oui sur particularité pourquoi est-ce que choix peut-être à partir sur un dans cet album là yo est-ce que ça là qui en fonction bandé moi ou ça là qui ou alors c'était comme ça au hasard. Donc en fait, nous déjà premièrement, dans par exemple, il y a Caoutchou. Choix à Mégé 30 Ezaki parce que Mégé 30 a Imbra Rumba qui tourne. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou, Mégé Master Voice, bonjour à toi. Aïm Brakito Koming, c'est l'une des plus belles voix congolaises. Il faut tous à sincère, tout le Belarango. Et Rumba Nanga, Wana Caoutchou, Nabane Komo Naye, Soka Yem Biango, Aoyana couleur Moko féminine Naye, et puis na douceur Naye, Ninga Zaralamgongo Naye, et Goyana 1 plus Nakatia Caoutchou. On a vu que Zaki Rumba Odemba, Nanga Toyana Moi, qui Rumba Odemba, et Zala proprement. Et voilà pourquoi Nasaki Choya Mege, na Caoutchou. Et Nana Kupenda, Nakupenda, il faut dire aussi que ça rumbaté, ça moi banzela nanga kena un peu R&B et puis alors Peggy à la base as a chanteur P il y a R&B, il y a pop. Alors je le voyais bien la Katia Nzimboana. Et voilà pourquoi na ça qui appelle naïe. Loin des yeux pourquoi Lucien a des mingongo tout simplement parce que nani a rugo bossa na que Lucien a la mingongo moko ya charme et que mingongo na ina banzimbo ils a le rôle à moi balade sur la mélancolie en tout cas. Que Lucien a la mélancolie, il suffit qu'il a posé une mélodie, il a bien transformé Nzimbona. Et voilà ce qu'il avait fait. En tout cas, je lui dis un grand merci. Et puis, tous des enfants, pourquoi Jean. Voilà, pourquoi Jean Goubal? Tout simplement parce que Jean Goubal, à la base déjà, a eu Makanzi Momo pour un enfant soldat. Et a eu par rapport à Makamu Yabana. Je me suis dit encore, le quoi, Koulou Tounangala, a sa salaki déjà pas dans Makamu. On a vu que tout le monde a pour Nabana. Autant à faire venir. Et à part cela, Natalan Naye, c'est un monsieur grand monsieur de la musique congolaise. Pétri de talent et na mona qui est bien dans mon voilà pourquoi il faut intervenir dans Zimbona et pour ne parler que deux donc et Chand également tout sous bébé tu vois à l'époque déjà Zagina nous bébé Chanda Lelo à sous bébé Chanda mais t'as tonton Chanda donc voilà et voilà puisque je parlais des enfants j'avais vraiment voulu est-ce que Chanda y a
à ça l'intro en disant voilà. Donc c'était juste une histoire, il y a comme on dit en français, joindre l'utile à l'agréable. Donc ça là, de manière à ce que messager et l'écrit vraiment au vrai sens du mot. Voilà pourquoi choix à Batouana on a salaki. Effectivement, choix moro kitoko comme tu peux expliquer sur la radio à émission, mais surtout plutôt à la gamme la carte album là yo, on met aussi qu'on rend hommage là bas aînés qui ont vécu hein. Grand Calais, hein, c'est ça? Grand Calais, tout. Boutaboulé, mon également Matilou aussi, quelque part, tout ça là. C'était quoi aussi? Pourquoi est-ce que je. En tout cas, merci beaucoup pour cette question. Ndekwalimia, musique n'est pas au Congo, et ça a une richesse, mon aîné. Tofa, dans la poto à tout mon aka. Dans la France, qu'on se souvient, bah, que Star Academy, à une certaine époque, ils allaient qui. Mais qu'est-ce que ces jeunes artistes faisaient? Bah non, peut-être que Banzembo, Vieri, c'est-à-dire Banzembo, Kalao, il marqua à l'époque, on revisiter en haut. Alors je me suis dit, mais pourquoi pas Bissopé Nambo, qu'on a besoin de gros ça l'appareil? Parce qu'il faut dire aussi que ces grands hommes de la musique congolaise, Bassala, Banzela, Obisso, Lelo, Tourlanda. Et par un moment, j'ai comme l'impression de Bossa Naka, passage Nabon. En fait, en tout cas, je n'ai pas lancé Pic Namoutouté, mais j'ai comme l'impression que na Congo, tout ça là que musique à Congo, on irait. Et comment est-ce situé dans 4 ou 5 personnes? Et pourtant, musique est amounée, est tellement vaste que peut-être. Tu dis à quoi alors? Parce que vous bon. Bon, analyse n'a pas assez personnelle. C'est-à-dire, en fait, tout beau, ça n'a pas apprécié musique selon époque. Moi, on a une analyse, ça n'engage que moi, parce que bien qu'on a Congo, les lois, on a expliqué, il y a des gens qui ont des conseils, il y a des gens qui ont des conseils, il y a en fait, le problème, c'est qu'on a Congo, il y a. Mais je pense que si tu réfléchis deux secondes, bah, on peut moi manquer raison, on peut avoir raison, mais peut-être moi manquer. Je vais expliquer ceci. À une certaine époque, quand on écoutait Vive à la musique, quand je dis Vive à la musique, Vive à la musique, il y a Kala Pena, il y a Bakulu Tunabiso, Bajado, il y a deux femmes, des femmes bipolées, il y a Otto Kene, donc Emene, il y a un style là-bas. Et puis, il y a Zaiko, Zaiko fait un style là-bas. Et on va dire. Ok, déjà, avec un style d'Ango, Afriza, et comme ça, chacun avec un style là. Et chacun présentait la musique congolaise, et puis la dimension là. Et vraiment, c'est dans ça la diversité. Moi, Kitoko, il y a musique Nabisso. Mais il est arrivé à un certain moment, tout le monde a commencé à faire la même chose. Et ça lit que. Question de facilité ou. Non, pas de je pense que. On a discuté une fois là, quand tout le monde a un musicien, peut-être les lobes, tout le monde a une musique, il y a un TK. Il y a un peut-être des salis que musique et Koufa. Après, tant que vent en ayez, et ça lit que la musique n'y a pas de Kala, tout le monde a un bon sang. Les lobes, il y a un bandit, il y a un négo, il y a un abisso, les lobes, il y a un nakou, les lobes, surtout Fandi, au Kamatinzi, Moulokola, par exemple, verre cassé. Il y a papa Nabisso Lutumba, Toyoki Yango. Après combien d'années, au Congo Kitoko. Mais à l'époque là, à cette époque, toujours l'actualité. Il y a toujours l'actualité. À cette époque là, numérique est à la guité. Et il y a justement la bande d'amis, néné, tout ça. Mais Ezaka et Lengi. Pourquoi pas Lelo? Comment ça on dirait la musique on a existé, musique comme Lelo Kabisso n'a numérique Nabisso, la technologie n'est avancée. Non, moi je me dis pourquoi pas tout ça la moi rappelle. Nabandeko, on a bakulu, tu vas papa Nabisso, on va leka, on a salanzela, oyo, afin que Bisso peut toujours être leka. Voilà pourquoi on a ça qui un clin d'œil à Cambridge. Cambridge, en fait, pour bateau, bah yébite Cambridge, j'en disais, moya, papa, défunt papa, Edolou Toula. Mais qui chantait par papa Edolou Toula, effectivement, na Grand Calais. Il y a moi là, on a qui n'a revisité en haut, et puis na moi sauce nanga, na chez moi touche nanga na kati. C'était encore une fois pour nous rappeler papa, on a parce que génération n'a plus bangou se bakou faté bazali. Peut-être se retrouve à répéter. Je me dis pourquoi pas na sala bango plaisir, na sala bango moi rappel pour se rappeler sur un bon moment va passer. Et puis pareil que na loin des yeux, na sala un clin d'œil na papa nanga Madilou. Pourquoi? Parce que Aza moko ba monument à la musique congolaise, il faut tous être quand même sincère. Et puis ti lelo depuis un temps tobe tarasu masona mo. Mais comme tout le monde va Al Pacino, on n'en parle pas. On n'en parle plus. C'est comme si ici les sili et pourtant ici la raté. Papa Taboulay pareil, Azali icône à musique à Congo. Toko ti katé que Moussala Mounene Asala et les Graboué. Ça fait quand plaisir que Badbayo qui en va c'est là on rappelait biso papa. Ça fait quand plaisir. Donc ça veut dire que papa Taboulay Azaka kanamito abatu azonika. Voilà pourquoi on a sagi moi ba clin d'œil moi. Voilà. Président Rémi Ayayos, Colonel Lando, Commissaire Ibarra, le spécial Jean-Dominique Okemba, le commissaire spécial de Maya Maya, le colonel Akoli Awaya Panfil et maman Nicole. Madilou multisystème.
Martel. Chocho, Bokito. Djibril Mpaka. Ma gloire Kabadi, Papi Boteja, Casquette Mozalia. Le Seigneur Rougerot. Immortel. Saint-Marc, Pondouto Loso, à côté la mise en tête. Tabou, Valia Lingi, Paka, Sana, Soubou, Yamo, Saka, Oye, Passina, Zouina, Mongaliena. Jean-Claude Ecoli, Pitsi Bolombo. Mongaliena, Mongaliena, Mongaliena. Ma maman, y a 12 balles na Sefa. Habib Obala, Ida Mambabidi. Nadine Ecoli, bienvenue Kouale. Honorable Michel Nguindi. Mamie Ilelae, Sylvie Bongo, Aïcha Okoko, Boyoki Rumba, et Nouchka Ecoli, The Lady, Igor Balou, Papi Moma, Tony Coco, Charlie Prince. Hé, hey, trésor, mon pao. Bah, une bonne chose, en tout cas, on a gâté l'album, là, Junior Fataki, Enigme. Mais c'est tout total côté animation, tout le monde dit non, Zaïko. Et puis le style également, c'est comme si Zaïko. On a sorti du Zaïko, là. Oui, en fait, tout à fait. C'est une chanson, titre Nango Le Parrain, et Anzimo. Nasrek Yango pona kulutunanga moko azotchanga main forte depuis début il y a projet oyo énigme ti na souka nango oyo azotchanga poa ezala même na promo na chaîne naye ya monene ya radio Top Congo. Je citerai monsieur Christian Lusakweno, le parrain ongana bengara parrain pona port naye na musala nanga na disque nanga. C'est vrai que lelo na Congo lelo zama passé zo mutumo a croire na yo a pe sa pe chance moni azoki ton naye yokinga a se peli na musala nanga abi bon na tchawa tamwa maboko. Ben voilà, un coup de pouce naïe, et ça lit que les lopés bat bayo qui se soukao, qui caoutchou, si les lopés bat continuer au Congo, bayo qui bandit, mais on va keep on shining, na Top Congo. En tout cas, je ne saurais vraiment que remercier assez pour un coup de pouce à Sali. Donc, Zaki, le parrain n'a comme à qui pour na expérience naïe à Zanango sur le plan médiatique et tout. Voilà, il y a mon commune qui est le parrain. Et comme il y a Zaka fanatique à Zaïko, Aliga Zaïko Mingi. Depuis longtemps. Il va y la salle là. Moi, couleur, mon quoi Zaïko. Et puis, effectivement, il faut dire aussi que. On a réussi parce que non, il fallait qu'il y ait ça l'animation. Après, c'est en couleur, il y a Zaïko. Et voilà, il y a eu aussi le Fombo qui est passé par là. Achaki, moi, touche, naïe, na basse. Histoire, il y a représenté. Moi, couleur, il y a Zaïko. D'où énigme, peu, moni, bah, c'est ça, moi, ébélé, ébélé. Voilà, quoi. Vraiment, c'est facile, vraiment, ébélé, la gâche, album, vraiment, Akitoko, Nao, qui est en mouvement du début à la fin. Peut-être pas en bas de base, je crois qu'il est déjà sur le marché. Et ça, déjà sur le marché depuis. Donc, Nazaki, na Kinshasa, na juillet, à Wana. N'a présenté qui, album officiellement, la presse, et pas Nabino, Bande Konayo, Bazana Congo, on a présenté Kango le 19 août. Et puis, Awa, normalement, album Yaki Bina Kobima, et officiellement, pour parler de Batafnak, parce que Nagan, quand même, Nachango ici, comme moi, que Moutounio soit en accessibilité. Parce qu'il faut dire aussi que c'est un album éclectique, c'est un album conçu pour un public assez élargi. Nagan, aussi, l'album Karaté pour la Bande Konanga, parce que Bande Konanga, musique Nabiso, Toye bien, Bissonio, Nagan, et que. Parce qu'il faut dire aussi que dans l'album Enigme, il y a du français, anglais, Zali et Mamina Swahili. En fait, c'est ça vraiment pour un public moko vraiment élargi. Voilà pourquoi vous avez dit que vous avez parlé de Fnac. Fnac, il y a Belgique, il y a Bruxelles. Là, et Dieu merci, bah, c'est Pela qui a produit et puis bah, décidé qui a placé en Fnac. Donc l'album est en vente. Na Fnac, il y a City 2, na Rue 9. Voilà. Bah, on a même tout na playlist. Donc on a temps avant, on a parcouru un peu les titres. On a aidé à produire les Zali. Donc ça est en vente depuis, on va dire, deux semaines. Depuis deux semaines, il y a donc sur le marché, déjà Bazo Tekango.
Mais ce qu'on m'a dit, peut-être ta promotion, parce que ton album, c'est bien de sortir de l'album. Bon, on a évité. Comment est-ce que tu penses, au niveau peut-être ta promotion, parce que ce n'est pas aussi évident actuellement pour la nos artistes, hein, pour l'album, mais un peu qu'on promouvoir en gros. Et comment est-ce qu'il y a ça là? Et puis, côté budget, est-ce que c'est au moment de te financer, au moment de produire? Comment est-ce que tu as fait pour réaliser tout ça? C'est vrai que promo, en parlant, on a répondu à la question à Liboso. C'est vrai que promo. Promo, il y a Lelo et Komimbongo. Bon, il faut tous à la paix sincère. Lelo, depuis existence, il y a réseau, réseaux sociaux, il y a moyen, il y a qu'on passer message. Et puis, de manière à ce que Batoubayouka, actualité Nayo, mais il faut tout ça sincère. Lelo, sous appel à Mbongo, promotion et aux alamois difficiles. Au ça, la produit, il y a bien. Mais c'est une bonne chose à penser. Promotion, puis aux alapés, moi, y a quoi là. Bon, de nos jours, business, toyebi, en gros, artiste, comment on va, producteur, on va vraiment s'auto-produire. Parce que producteur, va rassouster. Alors, production et album Oyo, il faut le dire, et Salami Nanga Moko, avec les maigres moyens. Et puis, effectivement, l'on tire le bas tout à l'heure, l'on tire répéter encore Moutassali que, et ces deux, comme à peine physique, boyé, et Ali, le grand. Le parrain Christian Lusakweno. Salinga cadeau, Yakob Miselanga, CD comme un boyer physique. En tout cas, encore une fois, je lui dis un grand merci. Le chapeau à Christian, Chris Lus. Pour un soutien à eux. Et voilà, le reste, comme j'ai dit encore, Azo Sunganga, na promo. Et promo, Bazo Yoka, na radio, na Kinshasa, promo et Fandi. Mais ah ouais, maintenant, Arosa la nuit sauté. Maintenant, c'est à moins d'avancer na suite. Il y a promotion. On voilà déjà encore une fois un grand merci à eux pour Pessinga. Déjà chance, il y a Royo Calbum et puis Pessinga chance n'a pas ses messages. C'est déjà un moyen, il y a soutien au Yopo Pessinga. Je te serai éternellement reconnaissant pour ça. Et voilà, Nao Bunda, Natala Bande Komosus, Basit Moussous et puis Nabunda Rokot Sandi, album en Malé Malé, Menaba Télé, AWAP. Et voilà, donc. Bandeko peut-être bah on a l'intérêt bah on s'est payé un album et que bah mon bah on a souci y a quoi promouvoir Bandeko au bah ça la moussa la bien bah on est bienvenu donc voilà mais tu bouna avec les mains de bord quand net au bandaka tu bouna voilà il faut que bouna toujours hein. Voilà donc Junior Fataki avec Énigme sur le marché, je crois que bah au bazar besoin en haut vous nous carons donc vous allez déjà en vente. Alors peut-être avant peut-être aussi les sa émission d'Abisso. Nous avons un point de vue par rapport d'abord à la musique congolaise actuellement. Nous avons une appréciation. Comment est-ce que vous avez retrouvé cette musique Nabisso pour l'instant? Parce qu'on parle souvent de musique en régressée et tout ça. Et comme beaucoup plus, c'est pas tout artiste, c'est pas travail de société. Est-ce que vous avez vraiment un point de vue Nabisso? Et là, nous avons un point de vue par rapport à la musique congolaise actuelle. Ah, merci beaucoup pour cette question, Alimia. La musique congolaise, point de vue Nanga, perso. Toujours. Encore une fois, non, on le voit parce que les conabissos encore à Yang Balopé sa point de vue, yé nani, yé à Salani, yé à Zaboué. Musique nabisso congolaise, moutou na moutou, azoméga représentant, on a ndenge naïe. Mais moi, je trouve que musique nabisso est télémi moins moqué. Et télémi pourquoi? Parce que tout autre tika tant mingi n'a pas bêtise. Moi, je suis jeune, 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 bah côté bah yoki yoki musique nabisso bah côté biso na kata bah distraction nabisso, qu'est-ce qu'ils ont fait bah yeba yibi moi maile nabisso bah quand même tu touches na bango bah tiens na kati et ça dit que lelo oyo bango bah comme ma base à moi place mon coup bah j'ai une certaine visibilité au lelo et ça dit que musique nabisso Congo est regressé mais pourquoi parce que biso mon tout au fond les portes voilà moi je me rappelle je suis passé par le Kenya au moment na Kenya na kuta na Kenya na piste bah Kenya bah obina. Il y a biso candidat mon bout nzemo ya propagande bazobina on est mais est-ce que mon tout bobina ah ils ont loin bon habité ils ont nzemo propagande habité on est à loin bon n'importe mon bobina biso tokomela tonton Scott tu peux imaginer parce que maintenant banga musique congolaise a un point lelo ya lelo et comme il pose ça la moindre mais pour pas tcha moi souka faut nous lukama Kenyon moko boye en a succès or bah Kenyon on est bah non on luka biso pour tout manabang tout simplement parce qu'on a laissé le temps na bouzo ba ikoti. Moi je pense que ceux qui moutou na moutou a tiki na kouan na ye a sa moussala a se concentrer plus na moussala et tout mika rozong sa musique congolaise na place isa akala. Parce qu'il faut le dire à une certaine époque la musique congolaise est ben contrôlée Afrique
on mais les loyaux donc comme il n'a pas qui parce que tout dit qu'on a la bêtise. Moi je pense que je nous conseillerais nous les artistes congolais tout mes gars ça la moins attention dans le coin là et il y a ils ont terni déjà image il y a beaucoup d'ambition et dans l'année qui dernièrement lobby je crois dans qui dans le la site Mokoboye il y a bas Kenya il y a bas Tanzanie bas au tout ma camion ils ont les canaba musiciens congolais bas tangi comme bande ko nanga na kulutu nanga wana oui donc bani ba yé bas et qu'est-ce qui se passe entre bango et ça moi Sony parce que on comprend les gars la péter aux yeux bani ba yé bas et là on y est les tout simplement parce que bah sentir que bouzo bamo ezana kati et moi je pense que ekozala bien mingi to biso ba jeune to respecter ba kulutu peu importe ba kulutu pe en retour mais c'est ça pongo ça réciproque ba kulutu pe ba respecter biso et puis lo comment to souffrir na ça je dois le signaler encore na musique congolaise to souffrir na problème il y a relais donc en fait ba kulutu bani ko accepter te que ba l'équipe bazoya ba salanzina na bango c'est ça en fait le problème parce qu'à une certaine époque c'était tout talibien ba papa na biso ba tabulay ba alaka vive yalaka wenge et vive victor yalaka mais à une certaine époque wenge yaka et zo ki me place nango au monde de la place pour tout le monde il, voilà parce que le Congo c'est un pays pétri de d'artistes de talent. Bazaï, belé, 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 belé. Mais simplement, ceux qui toujours quand on a jeu, on a un musicien belé, un guitariste belé, il y a un Congo. Je te dis, je suis convaincu que Bali. Mais Bazaï, peut-être, la chance, on a un peu de bimaté. Naouti Kinshasa, dernièrement, on a un peu de belé, un jeune. Mais même, on a un peu de talent, on a un peu de talent, on a un peu de talent. Oh, mais le talent, il y a un Congo. Mais pourquoi est-ce que Bazaï bimaté? Parce que, coup de pouce, c'est zaté. Moni, ton nima, totika pe bande comme sous bazo place parce que il y a encore de la il y a de la place pour tout le monde voilà ceux qui te salimo attention en gros je pense que musique nabiso et ozon en asika on a la place première où ils allaient en gros toujours effectivement espérons mais bon je crois qu'il descend bato bazo qu'on retenir les sont malheureusement je que bazo toujours conduit la gata buzoba bah ebi que régression ezali et puis bah ebi pourquoi c'est régression ezali mais bon ils veulent pas travailler pour que bah remonter voilà tout pour ça nous qui la émission c'est vrai qu'aujourd'hui ça a été vraiment important de recevoir Junior Fataki. Merci. Donc a aussi concerné l'album naie Enigme donc tout suivant qui est déjà depuis jusqu'à ce que moi na abotami Enigme faut coup de pouce également artiste et musicien ali artiste et musicien comme de tout solo na gata émission boyo quand même mon qui extrait na katia et puis on a bien sûr donc ami qui un peu parcourir presque ma sonorité belé ma mélodie belé tout na katia donc c'est vraiment un album qui a été bien fait avec ma featuring tout oyo alors bien na katia émission na biso et l'autre tout comme na suka fatak na ebité sur cause le moins suka na ebité sur boyo mais là on a ebité bon pendant aussi dit ça les le basso qu'elle les gars merci d'abord na yo na ningi aux 8 ans na yo pour na c'est un coup de pouce on a passé message et album nanga bandeko on a baro balingranga bah c'est pour la musique nanga voilà l'album finalement énigme là prenez le temps yaroyo kayango et puis ceux qui beaucoup t'aiment peut-être la clip botali bo partager yango ils ont un moyen yako aider artiste nabino donc merci pour na ndengo pesinga opportunité na lexa message nanga ya l'album énigme et ya bato balingaranga voilà l'album énigme il a prenez le temps ya royo kayango et puis bon apprécier yango ba critique tout en a besoin parce que biso artiste souvent donne la critique te tunga ba ku misara biso c'est ça le problème même somme soyi bon biso na musique a kongo yango na critique nous dans à compte yo et tunga ba ku misara biso et pourtant critique et ça l'a bien pour de manière à ce que mbalasimo ça la ba erreur te donc voilà et ba yo kayango et na bande konanga ba musicien na mon message moko c'est-à-dire Congo eza mboka moko et yebani pe makasi na musique et que c'est la mingi na musique eza mboka moko peza respecter par rapport à musala to salaka et to aider bande ko ba libana mboka libana ba comprendre que musique to sala ngo eza musique ya malonga ya musique ya bagegerte tout mes cacos se respecter et tout ça là musala ngo bien pour na honorer pe mémoire ya bakuluto ba leka ba sala musala ba tika pe ba désordre au biso de komi ngo lelote et puis voilà quoi tout mbolaka bené la mboka na bande connu so bon ça musala bien na féliciter bango na pesi bango ba big up pour que na bino liboso mais tout ça la plus concentré na musala et ainsi musique congolaise et ils ont la place première voilà. Merci Junior Fataki pour cette opportunité. Et puis bonne chance pour la suite. Hein. Donc merci pour le travail aussi. Donc travail bien fait dans cet album.
Voilà, donc merci, à très bientôt. Donc très prochainement, toujours dans Katia site, notre fois de point. Les amis de WTRDC.com. Dernier virage, toujours. La coupenda. C'est fini. C'est fini. C'est fini. What?